Hello Miloupio, c'est Guillaume Mindset, je suis votre coach manifestation préféré et à partir d'aujourd'hui, votre subconscient va totalement se transformer. Aujourd'hui, on va parler de pourquoi tu manifestes l'inverse de ce que tu as prévu de manifester. Comment ça se fait qu'il se passe toutes ces choses qui vont à l'inverse de ce que tu veux manifester? Pourquoi je fais cette vidéo? Premièrement, parce qu'on me l'a énormément demandé et je trouvais ça bien d'approfondir et vous faire comprendre pourquoi vraiment il se passe tout ça et vous allez voir que tout travaille en votre faveur. Mais bon, restez sur la vidéo. Premièrement, on part du fait que, comme d'habitude, la loi de l'assomption oblige. On part du fait que tu as déjà ta manifestation, tu es déjà dans ta réalité désirée. Tu t'identifies déjà à cette personne qui a cette chose, cette personne, cet argent, ce job, cet événement. Donc, si tu vas à l'inverse de cela, c'est-à-dire que si tu penses l'inverse du fait que j'ai déjà cette chose, et le j'ai déjà cette chose, c'est la base de la manifestation, on vous dit toujours affirmer, à slash penser, que vous avez déjà cette chose et que rien ne peut vous dire le contraire. Donc, si vous pensez le contraire, si vous vous focussez sur quelque chose qui est contraire au fait que j'ai déjà ma manifestation, c'est que vous êtes premièrement perdu dans la 3D. C'est-à-dire que vous prenez tellement vos 5 sens, ok, votre 3D, comme la confirmation de vos désirs, que vous vous y perdez. C'est-à-dire qu'il y aura un jour tu seras motivé et le lendemain tu vas dire « Oh non, mais ma 3D c'est le bordel, ah non mais il se passe ça, il s'est passé ci, il m'a fait ça, il m'a fait ci, ça va à l'encontre de ma manifestation, je comprends pas, moi j'affirme le fait qu'il est amoureux de moi, et là il embrasse une autre personne, moi j'affirme que j'ai de l'argent, et là je vois que je suis en moins sur mon compte en banque. Comment ça se fait? Comment ça se fait ?» Ce que tu fais, premièrement là, c'est que tu te perds dans ta 3D, tu te perds dans un miroir mort. La 3D, donc ce que ressent vos 5 sens, ok, c'est simplement le résultat de vos anciennes assumptions déjà matérialisées. C'est pour ça qu'on dit que la 3D, c'est un miroir mort. Ce qui se passe dans la 3D, c'est simplement vos anciennes assumptions qui se sont déjà matérialisées. Donc si tu veux te créer une nouvelle réalité, comme d'hab, c'est quoi? Tu dois penser du nouveau, tu dois affirmer du nouveau et tu dois persister sur ce nouveau. Là, la 3D, ok. Elle a reflété tes anciennes assumptions, donc ton ancien self-concept, ton ancienne perception de cette personne, ton ancienne perception de votre relation. Donc, ça se joue peut-être pas en ta faveur, sur le moment T. On va comprendre ça après. Mais à partir de maintenant, tu sais comment marche la manifestation et tu as toujours su. Et tu es un maître de la manifestation, c'est ta réalité, c'est toi qui décides. Tu sais que tu dois l'ignorer. Parce que ça, la 3D, c'est malléable, c'est à 100% malléable. Rien n'est set in stones, rien n'est gravé dans la pierre. La 3D peut à chaque fois tourner en ta faveur, que si tu décides de penser que ça travaille en ta faveur. Donc la 3D, retenez simplement que c'est un reflet mort de vos anciennes assumptions qui se sont déjà matérialisées. Ok? C'est vos anciennes assumptions qui se sont matérialisées. Je sais que la 3D, c'est un reflet de ma 4D. Donc, pour que je change ma 3D, je dois me plaindre? Non, parce que ça renforce mes anciennes croyances. Je dois essayer de forcer les choses? Non, parce que ça renforce mes anciennes croyances. Parce que là, tout ça, là, c'est le résultat de mes anciennes croyances déjà manifestées. Donc, si je vais les forcer, ça réengage ces anciennes croyances, ok? Donc, comment je vais pour changer tout ça? Je change là, et je persiste là, et je reste là. Et je continue d'ignorer tant que ça, là, ça projette pas exactement ce que j'ai là. La seule confirmation qui existe, c'est votre 4D, c'est vous. C'est vous la seule confirmation. Parce que la loi, elle ne peut jamais te rater. Tu crées ta réalité grâce à tes croyances, tes assumptions. Donc, est égal à tes pensées dominantes. Donc ça, ça va forcément changer si tu penses en pensée dominante le fait que tu as cette chose, que tu as cette chose, que tu as cette chose, malgré ce que la 3D te montre. Rien n'est gravé dans la pierre. J'espère vraiment que vous allez entendre cette chose, parce que moi, ça m'a permis d'avoir une épiphanie de fou, de me dire que chaque personne peut changer, chaque situation peut changer, chaque chose peut changer, peut bouger, et que tout le monde travaille en ma faveur. Donc, il n'y a rien de fixe, il n'y a rien de stable. Tout peut travailler en ta faveur, mais encore une fois, si dans ta 4D, tu te racontes que ça ne travaille pas en ta faveur, que tu manifestes l'inverse, tu fais quoi, ma belle? Tu manifestes l'inverse. C'est-à-dire que si tu te dis, non mais pourquoi il se passe ça? Pourquoi j'arrive pas à manifester? La manifestation, ça marche pas. Non mais je manifeste l'inverse, c'est encore pire depuis que j'ai affirmé. Mago, moi je t'applaudis. Manifestation réussie.
tu te focuses sur toutes ces mauvaises choses, ces mauvaises réalités, ces mauvaises pensées dominantes, la loi et la loi M ne peut jamais te rater. Bravo, t'as réussi à manifester cela. Tu t'es tellement focus sur le fait de « Non, mais je vais tester, mais j'en suis sûr, ça marche pas. Je vais pas m'y mettre à fond, je vais faire un ou deux jours et je vais voir si ça marche. Mais je pense que ça marche pas. » Bah, bravo, enfin, manifestation réussie, moi je t'applaudis. T'as réussi ta manifestation. Ouais, t'as manifesté le fait que ça marche pas. Bravo, enfin, tu restes une maître de la manifestation, hein. Moi je t'applaudis, hein. Ça je dis, dans tous les cas, tu t'es focus sur ça et t'as eu ça. Donc oui, si tu penses, affirme, te focus sur le fait que ça se passera pas, ça changera pas, c'est nul, mes circonstances, elles sont trop grosses, ça va jamais changer, moi, non, la loi, ça marche pas pour moi. Bah, chaque chose que tu dis vrai est vrai. Et tu le confirmes en y pensant régulièrement. Et bah, bravo, enfin, c'est ta réalité. T'as choisi d'expérimenter le fait que la loi ne marche pas pour toi, et que ça ne travaille pas en ta faveur, et que t'arriveras jamais à manifester. Moi, je te dis bravo, t'as réussi. Donc vraiment, je veux que le mindset que vous gardez en tête, c'est le fait que tout travaille en ma faveur. Everything is working out in my favor. Jusqu'au bout, jusqu'à votre mort, je veux que vous pensez ça. Sur le fait que tout travaille en ma faveur. Je connais la manifestation, je sais comment ça marche. Ça, c'est un reflet mort. Ça, c'est ça qui va permettre de changer ce reflet qui est déjà mort. Et si j'ai envie d'avoir exactement ce que je veux, le comportement de cette personne que je veux, la chose que je veux, le job que je veux, l'événement que je veux, il faut que je commence où à l'expérimenter? Ici. Ici, c'est le cheat code. C'est le cheat code, t'as rien à demander, t'as rien à faire. T'as rien à exploiter, t'as rien à planifier. Tu dois simplement penser comme si. Penser comme si tu avais déjà cette chose. Donc en affirmant cette chose, en visualisant cette chose, en scriptant cette chose, en restant dans ta tête par rapport à cette chose, te dire que it's already done, c'est déjà fait, c'est déjà fini. J'ai déjà cette chose. Ce que je fais, c'est que je fais ma technique pour me le rappeler, pour être familier avec cette pensée, parce que c'est vos pensées dominantes qui se manifestent. Tout simplement. Mais moi, je kiffe ma vie dans ma 3D. Je kiffe ma vie dans ma 3D. Tout travaille en ma faveur. Qu'importe ce que mes 5 sens peuvent percevoir. Je sais comment la loi marche. Et avant, si tu ne savais pas, maintenant tu le sais. Donc, tu n'as plus aucune excuse de tomber dans ton victim mindset. Parce que clairement, dire que tout va à l'encontre de ma manifestation, c'est tomber dans le victim mindset. Donc, allez voir la vidéo contre le victim mindset si vous n'avez pas vu. Maintenant que tu as ta réalité de j'ai cette chose, ok, tu ne peux plus affirmer le fait que tu n'as pas ta manifestation ou que tu manifestes l'inverse de ce que tu veux manifester. C'est impossible. Parce que du coup, tu vas à l'inverse de ce que tu souhaites manifester et du coup, bah, tu manifestes exactement ce que tu veux du coup. Le fait que tu l'as pas. À partir de maintenant, si je veux ça, je suis déjà dans la réalité où je l'ai. Et rien, ni personne, ni aucune circonstance ne peut me dire le contraire. Il n'y a que moi qui peux me rappeler le fait que je l'ai. Je l'ai. Donc vraiment, le moyen d'aborder les circonstances qui vont à l'encontre de ce que vous voulez manifester, c'est simplement de se répéter que tout travaille en ma faveur. J'ai déjà cette chose, j'ai déjà cette personne, donc bien sûr que cet événement travaille en ma faveur, c'est logique. J'ai déjà ma manifestation. Je maintiens le fait que j'ai déjà ma manifestation, je l'ai déjà. Et moi, j'ai juste à chill, j'ai rien à faire. Comme dit Neville Goddard, s'il faut bouger 10 000 ou 1 million de personnes pour que tu aies ta manifestation, ça sera le cas. Parce que la loi est la loi, elle ne peut jamais te rater, tout est reflet de tes assumptions. Change ton assumption, donc tes pensées dominantes, et ça va forcément venir. Mais il faut persister dans cet état final de « j'ai déjà cette chose ». Donc à chaque fois que tu vois quelque chose qui va à l'encontre, hein, je mets des guillemets, de ta manifestation, rappelle-toi que tout travaille en ta faveur. Donc, même cet événement qui n'a pas une perception assez bonne pour toi, ça travaille en ta faveur. Ça travaille en ta faveur. Il n'y a pas de logique en manifestation. Tu ne peux pas t'occuper du pourquoi, où, quand, comment. Tu ne sais pas pourquoi il se passe ça maintenant et quelles seront les conséquences. Par contre, ce que tu peux faire, c'est malgré qu'il se passe ça, tu peux déjà penser le fait que ça travaille en ta faveur, donc que les conséquences, il n'y en aura pas des mauvaises, mais il n'y en aura que des bonnes parce que c'est ta putain de réalité et parce que c'est toi qui décides de ce que tu veux expérimenter. Et plus tu te focuses dessus, plus tu vas forcément l'expérimenter. La loi est la loi et ne peut jamais te rater. Donc clairement, tu ne sais pas ce qui va se passer après cette mauvaise situation qui pour toi va à l'encontre de ta manifestation. Et c'est pour ça qu'on va parler du pont d'incidence. En anglais, c'est Bridge of Incidence pour ceux qui suivent des Américains. La définition que je peux donner d'un pont d'incidence, c'est simplement une succession d'événements qui t'amène à avoir ta manifestation. C'est vraiment ma définition. J'ai vraiment compris ça comme ça. Qu'importe ce qui se passe, donc qu'importe la succession d'événements, bons ou mauvais, de perception, hein,
de perception bonne ou mauvaise, hein, parce que rien n'est bon, rien n'est mauvais. C'est nous qui décidons de dire si cette chose est bonne ou mauvaise. Et on en fera l'expérience et on en vivra les conséquences en fonction du bon ou du mauvais qu'on a mis. Donc c'est pour ça qu'on met à chaque fois une bonne signification sur chaque événement qui nous arrive, sans même vouloir la contrôler, simplement se dire ça travaille en ma faveur, period, j'ai rien à faire, je l'ai déjà ma manifestation. Donc bien sûr que ça va se matérialiser. Donc cette succession d'événements, de perceptions bonnes ou mauvaises, dans tous les cas, ça travaille en ma faveur. Comme exemple par rapport à ça, je me suis créé un petit exemple simplement de me dire ok, pour l'incidence, tu veux manifester ta spécifique personne, ton ex ou ton crush, qu'importe. Et là, tu pètes ton téléphone. Donc déjà, tu essaies de le manifester. Tu restes dans ta finalité de « il est déjà avec moi, je fais ma technique d'affirmation, ou de scripting, ou de journaling, ou de visualisation. » Je reste dans cette finalité, c'est-à-dire qu'il est déjà avec moi, j'ai juste à vivre ma vie. Tu pètes ton téléphone, tu vas à Apple, t'es un peu grognon, mais tu sais que dans tous les cas, tu as toujours tout ce que tu veux, donc même ça, ça travaille en ta faveur. Tu te dis « ça me saoule, je vais devoir payer et tout. » Mais tu sais que la vie, elle marche au fait que tu dois garder de bonnes assumptions, tu dois garder un bon mindset, qu'importe ce qui arrive, ok? Donc tu préfères te dire, tu sais quoi, ça travaille en ma faveur, je m'en fous, ok? Tu vas chez Apple, tu lèves la tête et tu vois qui? Ton crush ou ton ex. Et lui te remarque. Et il est en face de toi. Il est tellement en face de toi qu'il est obligé de dire bonjour. Bravo, tu as assisté à un pont d'un silence. La même chose serait par exemple le fait que tu manifestes une SP et que tu la vois embrasser quelqu'un d'autre. Mais tu continues de manifester. Tu te dis, j'ignore ma 3D, je sais que la 3D c'est un miroir mort, je m'en fous. Une semaine après, que t'es tenu cet état final de « j'ai déjà cette personne, elle agit exactement comme je veux. C'est ma putain de réalité, c'est moi qui décide, je suis irrésistible, inoubliable et irremplaçable. » Donc bien sûr que cette personne est revenue. Une semaine après, cette personne t'envoie plein de messages, t'appelle, te spam et te dit « en fait, j'arrive pas à te sortir de ma tête. T'es là. » Femme ou l'homme qui me faut, tu me corresponds à 100%. Tu as vécu un point d'incidence. Cette chose n'a pas une perception bonne, que ton ex ou ton crush embrasse quelqu'un d'autre que toi, ou que tu casses ton téléphone. Ok. Mais pourtant, tu en vis les bonnes conséquences. Pourquoi? Parce que tu affirmes que cette chose travaille en ta faveur. Et parce que tu restes surtout focus sur le fait que j'ai déjà ma manifestation. Donc qu'importe, qu'importe, qu'importe. Rien ne peut me dire le contraire. La seule confirmation qui existe, c'est là. Donc là, tu as deux points d'incidence. Et à chaque fois, des personnes qui ont simplement persisté. Parce qu'il faut savoir que malgré le point d'incidence, ça ne travaillera pas en votre faveur si vous ne persistez pas dans votre mindset. Si tu décides à partir de maintenant que toute ta vie est mauvaise, il n'y aura que des points d'incidence sur le fait que ta vie va forcément être mauvaise. Et encore plus mauvaise chaque jour. Donc là, tu vivras des points d'incidence, mais dans le sens que tu ne veux pas. Tu ne vois pas. Tout t'amène à avoir tes propres manifestations. Une fois que tu es dans le mood ou dans le mindset de « j'ai ma manifestation », period, c'est ma réalité, c'est moi qui décide. Je fais un petit rappel par rapport à vivre dans la finalité, parce que je parle beaucoup de vivre dans la finalité, même si j'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos, c'est simplement le fait que je n'ai pas besoin de stresser parce que je sais que j'ai déjà cette chose. Et toutes les personnes qui me disent « non mais je peux pas être déstressé sur le fait que j'ai déjà cette chose », en fait ça veut simplement dire que tu dépends de cette chose. Et tu ne peux être dépendant de rien, sauf de toi. Franchement ça c'est juste le must pour avoir confiance en soi, dépendre de rien. Et tout remettre sur soi. Prendre responsabilité de tout et savoir que tu es très bien tout seul. Tu es très bien sans cette chose, sans cette personne. Ok? Ça peut participer à ton bonheur, mais ça ne peut pas uniquement se baser sur ton bonheur propre. Et en plus, tu dépends de cette chose, tu vas tellement quémander cette chose, tu vas tellement dépendre de cette chose que tu seras dans un état de manque. Et tu seras tellement plus focus sur le manque que l'abondance en général, enfin en tout cas que l'obtention de cette chose, que dans tous les cas, tu vas plus attirer du manque. Tout simplement. Donc vraiment, pour vivre dans cette finalité, pensez que vous avez déjà cette chose, soyez déstressé sur le fait que, ok, je l'ai déjà, je sais comment ça marche, bien sûr que j'ai déjà ma manifestation. Vous faites vos techniques de manifestation, voilà, pour vous le rappeler, pour être dans le bon mood. Et ce qu'il faut faire aussi, c'est se reprendre dans la journée quand vous pensez à l'inverse de vos manifestations. Si je me dis, je veux manifester ma SP, mais que dans la journée, je spirale dans le mauvais, et que je me dis, non mais cette personne ne reviendra pas, elle ne changera pas, c'est nul. Oh, non, ça c'est mon ancienne réalité, peut-être mon ancienne vérité, mais moi maintenant cette personne est là, elle-même, elle a changé de comportement, on est ensemble et je suis très heureuse avec cette personne. Ok? C'est comme ça qu'on vit dans la finalité, simplement penser comme si tu avais déjà ta manifestation. Ok? Donc vraiment, qu'importe ce que tu vois, qu'importe tes émotions, tu persistes sur le fait que j'ai déjà cette chose. J'ai le cheat code, comme j'aime le dire, je connais la manifestation, je sais comment ça marche, donc autant persister. Parce que dans tous les cas, ça va être obligé de se matérialiser. J'ai le cheat code. Donc autant en profiter. Manifester c'est vraiment pas de la magie, c'est-à-dire que c'est vraiment un truc de croyance. C'est-à-dire que si tu crois que cette chose est vraie, parce qu'une croyance c'est simplement une pensée que tu continues de penser, donc en croyant cette pensée, et en l'affirmant tous les jours,
et que ça en devient une pensée dominante, du coup, et du coup, logique pour toi de penser ça, donc c'est ta nouvelle vérité, bah, ça va forcément venir se matérialiser. Mais je veux dire, encore une fois, le pourquoi, le où, le quand, le comment, ce n'est pas notre job, ce n'est pas à nous d'y penser, ce n'est pas à nous de focus dessus. Nous, on se focus sur le fait que j'ai déjà cette chose. C'est pour ça que je vous dis vraiment de pas vous inquiéter du pourquoi, où, quand, comment. La vie est très surprenante et la vie est très très belle. Et je vous promets qu'à chaque fois, elle nous réserve plein de surprises et de manières tellement différentes que c'est pas à nous de nous occuper de comment ça va arriver. Et à chaque fois, vos manifestations, enfin en tout cas je parle pour moi, mais je vois aussi les gens autour de moi, mes abonnés maintenant que j'ai une grande communauté, vous me dites tout ça, ça arrive dans les meilleures circonstances. C'est-à-dire que même quand c'est des circonstances qui peuvent paraître assez dures, donc un point d'incidence qui peut peut-être faire mal, à chaque fois, votre manifestation, vous sentez au fond de votre cœur que « putain, je l'ai mérité ». Putain, grâce au final à ce point d'incidence, donc qu'importe les événements, j'ai gagné confiance en moi. Heureusement qu'il s'est passé ça, parce que sinon j'aurais peut-être pas compris ça, ça, ça. Vous voyez ou pas? Chaque chose qui arrive dans votre vie, une fois que vous avez un bon mindset et que vous êtes dans la manifestation en général, tout travaille en votre faveur. Tout fait que ça va participer à votre expansion en tant qu'humain, en tant que personne spirituelle. Juste, ça va améliorer votre vie. C'est pour ça que je vous dis, ne vous arrêtez pas à ce que vous voyez dans la 3D, ne vous arrêtez pas à ce que vous percevez. Nos deux yeux là, je peux voir que ça là. Et encore, je triche en disant que je peux voir jusqu'à là, je peux voir vraiment que jusqu'à là, vous voyez ou pas. Il y a toujours du mouvement. Il y a une fille sur Instagram qui m'a dit, Guillaume, j'ai une phrase à te dire, c'est « Ce n'est pas parce que tu ne le vois pas qu'il n'y a pas de mouvement. » Et c'est totalement la vérité. Comme j'aime trop me dire, quand il y a peut-être quelque chose de compliqué, je me dis « Mais attends, Yves Godard, il a dit quoi ? S'il faut que 10 000 ou 1 million de personnes bougent pour que j'ai ma manifestation, parce que la loi est la loi et ne peut jamais me rater, les gens bougeront. Les gens bougeront leur cul parce que c'est ma putain de réalité, c'est moi qui décide et tout est reflet de mes assumptions. Donc bien sûr que si je persiste dans cette chose, je vais forcément la voir, je vais forcément l'expérimenter, c'est ma vérité. Et si je décide que c'est ma vérité, ça l'est, point. Et rien ni personne ne peut me dire le contraire. La petite conclusion que j'ai à faire par rapport à ça, c'est vraiment les stars. En exemple, j'ai genre la personne qui a écrit Harry Potter ou la personne qui a écrit Squid Games. C'est des gens qui ont été refusés par des boîtes de production pendant des années et des années. Squid Games, je pense, c'est 10-15 ans. Pour au final, ne pas changer le script. Ils ont dit, mais non, mais je crois tellement en mon projet que les deux auteurs là, ils n'ont pas changé le script. Ils l'ont peut-être amélioré, ils l'ont peut-être changé parce que voilà, en fonction du budget, en fonction de je sais pas quoi. Mais ils n'ont pas changé leur idée alors qu'on leur avait dit, mais ton idée ça marchera jamais. Ces deux personnes-là ont persisté avec la même idée, n'ont pas été influencées par la 3D, par le monde extérieur, par les gens, par les circonstances, par même eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas été eux-mêmes remis en question par rapport à ce que les autres disaient. Ils sont restés fermes parce que c'est leur putain de réalité. Et regardez où ils en sont. Et j'en suis sûr, ils sont très fiers d'avoir eu autant de refus parce que ça a tellement participé à l'expansion de leur propre succès, de leur propre série, de leur propre vie en général. Parce qu'une fois que tu es dans un bon mindset et que tu te focuses peut-être sur un domaine à manifester, il y a tous les autres domaines qui s'améliorent. C'est toi le point central de ta vie. Donc si tu améliores un domaine et que tu es positif en général dans ta vie parce que tu connais la manifestation, tu connais la loi de l'assomption, tu sais que tous les autres domaines vont forcément être impactés positivement. Et même plus rapidement que ce que tu ne le crois. Tout simplement. Parce que tu crois en toi, parce que tu décides de décider que c'est ta propre réalité, que c'est toi qui décides. Donc bien sûr que je vais me reprendre, bien sûr que je vais penser que tout est possible et que si cette personne peut la voir, je peux aussi la voir. Voyez ou pas. La manifestation, c'est simplement ça. Penser en sa faveur et persister dans l'idée que je peux avoir exactement ce que je veux parce que c'est ma réalité et que ça marche comme ça. Donc bon, je suis trop content d'avoir fait cette vidéo et de vous avoir partagé mon avis sur tout ça. Et il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé, donc je suis sûr que ça va servir à beaucoup de gens, le point d'incidence. C'est très important de le connaître. Bon, après, encore une fois, hein, ça reste des informations, donc vous n'êtes pas obligé de tout connaître en manifestation pour manifester. Oh, on est des maîtres de la manifestation, déjà en étant né. Mais c'est bien de tout savoir parce que ça permet d'étendre votre culture et surtout, moi personnellement, dans ma spiritual journey, plus j'en apprends, moins je réagis, plus j'évolue. Voyez ou pas. C'est-à-dire que j'apprends, je comprends, j'applique. J'applique. Donc bon, abonnez-vous à moi sur mes réseaux sociaux, Guillaume Mindset, sur TikTok, du contenu spirituel beaucoup plus court, mais toujours aussi intéressant. Sur Instagram, allez suivre ma vie, je pose des stories, des photos, des vidéos, bref, allez voir mon compte Instagram. Abonnez-vous à moi sur ma chaîne YouTube, likez, commentez, partagez, proposez-moi des idées de prochaines vidéos, vous pouvez commenter, vraiment, je vous fais vraiment confiance, je vois que vous êtes grave actifs et moi je vous aime énormément et j'adore interagir avec vous.
Surtout, moi je suis très reconnaissant de vous avoir dans ma vie parce que ça me permet d'avoir des gens avec qui parler, des gens déjà premièrement que j'aide, mais en dehors de ça, je vois qu'on a vraiment une bonne relation, en mode ami-ami, mais c'est là où tu te rends compte que ta communauté te ressemble, vous voyez ou pas. Et en vrai, moi au début j'avais du mal avec ça, parce que je me disais, en soi c'est l'internet et tout, tu vois, mais au final je me dis non, c'est vrai, tu attires la communauté qui te ressemble. Donc si tu émanes de bonnes vibes et une vérité, et que tu crois en ce que tu dis, donc t'entoures pas les gens, tu vas forcément tomber avec de bonnes personnes et qui te ressemblent. Donc bon, je suis trop content d'avoir commencé à bâtir cette communauté, Meloupio. Vous rappelez que c'est votre prénom, j'adore ce nom. Mais du coup, je suis trop content, merci d'être dans la famille en fait. Merci d'être là, merci d'être présent. Et merci à chaque fois de commenter, de partager tout, parce que je vois qu'il y a énormément d'interactions. Et même je vois les gens s'aider et tout, ça me fait énormément plaisir, parce que je vois que vous apprenez, vous comprenez exactement ce que je dis, et surtout que vous êtes des gens déjà très intelligents. Donc voilà, entre gens intelligents, entre gens smart, entre gens rusés, on est là. Donc bon, je vous aime fort. En tout cas, comme j'ai dit au début de cette vidéo, votre subconscient va totalement se transformer. Le pont d'incidence, tout travaille en ta faveur. Faut toujours se rappeler ça. Qu'importe ce qu'il se passe, qu'importe ce que ces personnes disent, donc qu'importe les circonstances, ça travaille en ma faveur, parce que c'est ma putain de réalité, parce que c'est moi qui décide, parce que ça marche comme ça. La loi est la loi et ne peut jamais te rater. Et j'ai le cheat code, donc autant l'utiliser, parce que j'aurai exactement ce que je veux. Je vous aime fort. Prenez soin de vous.